Yo tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on est à 4 semaines et demie de la première compète, donc qui est le top de Colmar. Et aujourd'hui, petite vidéo, on va partir sur Valenciennes. On va aller voir le coach, donc faire une petite séance, pec épaule, faire un petit check-up, bosser un peu les posings. Donc ça va être une bonne journée, ça casse aussi un petit peu de la routine habituelle, des entraînements. Donc là, j'ai préparé toutes les affaires, les repas. Je vous montre un peu. Donc, au niveau des repas, j'ai mes trois prochains repas. Donc, avant le training, on a bœuf, pommes de terre. Donc, en guise de glucides. Là, aujourd'hui, j'ai deux apports de glucides. Donc, une fois après, une fois avant. Donc, celui d'après, colin, légumes, pommes de terre. Et le dernier, c'est juste, on repart sur les bases, hein, poulet haricots verts et le petit pre-workout. Donc là dedans j'ai juste arginine citrulline et donc de toute façon j'ai là, donc là c'est ce que je prends avant le training. Donc là mon booster, moi mon pre-workout c'est juste citrulline arginine mélangée. Donc moi j'ai stoppé la caféine, mais vous pouvez très bien faire le combo en rajoutant la caféine si vous préférez. Et en poste, j'ai juste ce combo-là, créatine, glutamine EA. EA que je prends aussi en intra. Donc voilà pour ce qui est des compléments. Voilà, là je vais partir pour 1 heure de route. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est que le coach est à proximité. Du coup, je peux facilement le voir une fois par semaine. C'est plutôt pas mal pour la prépa. Au moins, on a du contact réel. Ça change aussi un petit peu la donne. Donc voilà, je vais arriver un petit peu en avance, comme ça j'aurai le temps de prendre mon repas avant l'entraînement. Et ça va être, on va partir sur une séance assez hardcore, on va vous partager ça. Mais avant de partir, le petit thé à la vanille. Enfin, je fais que boire du thé en prépa. Donc là, mon préféré, c'est le thé vanille. Par contre, c'est vraiment de la merde, c'est que. T'es toujours obligé de te brosser les dents avec cette connerie, puisque ça jaunit les dents, mais c'est violent. On me demande aussi souvent pourquoi j'ai besoin d'un préparateur, ou même pourquoi un coach, quelqu'un qui maîtrise déjà le sujet, a besoin d'un préparateur pour préparer une compète, une échéance. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'être suivi par quelqu'un. Juste déjà, le fait de se dédouaner de la réflexion. En fait, on n'a pas forcément le même recul quand on est fatigué, quand on est dans la diète. On n'a pas le même recul sur notre physique. On va avoir tendance à se trouver peut-être trop plat, peut-être plat trop tôt, peut-être à vouloir augmenter les calories, ou peut-être on pense avoir du retard, donc augmenter la dépense, ajouter du cardio. Et on n'a pas tout à fait la même lucidité en fait quand on est forcément impliqué dans la diète extrême. Que bah, le coach qui va avoir le regard extérieur et qui va être plus lucide selon moi. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de confier le travail à quelqu'un. Comme ça, cette personne est le cerveau de la préparation entre guillemets. Et comme ça, il y a juste à suivre le plan, à suivre à la lettre ce qu'il faut faire. Et le thé est prêt. Et surtout quand on a confiance en son préparateur. Et je trouve ça, je trouve, en plus de ça, je trouve que c'est une bonne expérience, un bon partage. C'est avant tout une bonne relation coach-élève qui sera forcément bénéfique en fait. Enfin, je trouve que c'est des bons moments partagés. C'est vrai que se préparer tout seul dans son coin aussi, c'est quelque chose de dur psychologiquement aussi, une prépa. Donc c'est bien de la partager avec quelqu'un. Donc avoir un bon préparateur en qui on a confiance, je pense que ça peut jouer, ouais. Vous ne trouvez pas que l'ami Jojo il a perdu des joues là? Ah si si. Il est déjà beau. Regardez-moi ses bras. Ça va un peu. Faut enlever les poils. Après faut enlever les poils, ça fait encore plus de veine. T'es pas très poilu mais. Ouais mais j'ai un peu semaines. Quand même. Un petit jubilé. On commence par un échauffement, on va faire du coucher en concentrique avec l'ami Jojo.
semaine de la compète là. Un, let's go. Boom, un. Deux. Hop. Trois. Allez chercher, let's go. Quatre. Allez. Allez. Cinq. Allez gros. Six. Encore. Sept. Allez, bien haut. 8, 2, 1, dernière gros, envoie. Allez, ok. Parfait. Ouh, l'opec ça va? Ouais, nickel. Parfait, 4 gros. Ouais, 130 en round. Allez, 1, let's go. 2, 3, facile ça. Hop. 4, let's go. 5. 6. Aéro. 7 encore. Facile ça. 8 sur le 2. 9. Voilà. Voilà. Nickel. Bon, ça passe. Vous notez sur 1 à 10 le style de Jojo. Legal Power. France, c'est un sacré style quand même. Hein. Et puis les petites Rangers Prozis. Ouais, j'ai vu. Tu passes prendre produit. 10% avec le code banane. Mais moi, je le mets. Regardez, il est beau comme un cœur. Ça, c'est sa poste fétiche. Dans tous ses vlogs, il reste comme ça. Attention. Le gorille, dans son habitat naturel, enlève son pull. Regardez-moi ce. Cette bête. Ah là ça. Un petit masque musculaire là. Je zoome. C'est un peu énervé je crois. Putain, regardez-moi ça. Non. On prend le temps, on contrôle. Ok, bam, c'est reparti, nickel. Parfait. On reste là-dessus, même tempo, même amplitude. Nickel. Voilà. Ah. Allez, on va aller chercher. Ouais. Ah, je l'ai un peu. Une dernière. Oh, ok. Bon. Nickel. Il a fait 3 séries, son pec il dégueule déjà. Parfait. Allez gros. Ouais. Au revoir. 1, 2, 3, hop. Encore une. Hop. Ok. Oh, ça coupe d'un coup. Ouais, nickel. Parfait. Regardez-moi ça. Ouais. Allez, ça va serrer. Ouais, encore. À serrer, serre. Encore une ou deux. Encore une. Attention aux épaules, engage. Ouais, parfait là. Ok. Mosse musculaire. Tu serres toutes tes forces. Serre les pecs. Tu serres. 6, 5, 4, relâche pas. 3, 2, 1. Ok, nickel. On est reparti, gros. Ouais, dernière dégressive là-dessus. Allez, gros, on y va. Prends le temps. Honnêtement, fais moins, je m'en fous. Yes,
Let's go. Nickel, parfait. Ouais, magnifique ça. Allez, prends le temps. Parfait. Let's go. Nickel, gros. Ouais. Je vais en chercher deux. Encore une. Je m'occupe du poids après. Hop, serre. Voilà, pause. On part dans 5. 4. 3. 2. 1. Et on y va. Allez, ouais. Un poil plus rapide que tout à l'heure. Ouais, nickel. Allez, c'est là, gros. Let's go. J'en veux deux, va aller chercher. Allez, joue. Une dernière. Pause. 5 secondes. 4. 3. 2. 1. Allez, joue. Ouais, 3, plus rapide, 2, 1, tu relâches, allez, moi tout celui-là, c'est à toutes tes forces, de toutes tes forces, serre, 5, les pecs, 4, 3, 2, 1, et on relâche, ouais, bien gros, ok, je pense que les pecs on est pas trop mal, on va venir faire les épaules maintenant. On peut poser mon bidon dessus, surtout haut de pec. Ah, c'est bien. Je peux poser le téléphone. Ah, c'est clair. On s'échauffe. On va faire l'exercice préféré de Jojo, le tirage menton. On me demande à chaque fois, ses épaules sont énormes quand il fait. Mais il a fait plus d'exercices dans sa vie, c'est le tirage menton et l'élévation latérale. Voilà. Le scoop du jour. Namasté. T'en feras moins, mais on s'en fout. Qualitatif. 1, 2, 3, 4, let's go. 5, 6, 7. Il y en a encore. On va à 10. 8, 9, 10. Ok. Iso, c'était le bel. Allez. Ouais, nickel. Là, tu tiens. Ouais. Dos pas trop penché en arrière. Voilà, on va sur latéral. Tu tiens. C'est ton échec, Jo. C'est ton échec. Allez. Même pas 5 semaines, tu tiens, tu vas au max. Tu tiens. Ah Jo, allez, tu tiens. Tu veux faire deuxième à Colmar, tu veux pas faire deuxième à Colmar. Let's go, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Eh bien gros. Oh. 1, 2, 3, 4, ouais, 5, super, 6, 7, 8, 9, y'a autre, encore, parfois 2, dernière, voilà, bien, prends le temps, pendant 5 secondes, 4, 3, 2, 1, c'est reparti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez on va chercher, 8, 9, 10, encore 2, 1, allez ok, ok, iso, KB gros, allez. Ah mon gros. Tu tiens 15 secondes.
pas une de moins. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâche, ok, cote, tu peux, tiens, c'est remonté, essaye de remonter, allez encore, voilà, tu tiens, lâche, masse musculaire, même plus loin, un double biceps de dos, et tu viens envoyer tes épaules vers l'arrière, arrière, voilà, encore, serre, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. De face, masse musculaire, 10 secondes encore, tu serres plus les épaules, ouais, bien, 7, 6, 5, serre, 4, 3, 2, 1, et on relâche, ok, bien gros. Prise neutre en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâche, lat spread, serre. Hop. Ok, et là tu serres. Tu tiens. Encore. 4, 3, 2, 1. Ok, on est reparti. J'en veux 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en arrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On lâche, lat spread. Aéro, va serrer. Tu serres encore plus fort que tout à l'heure. Tu serres. L'épaule gauche, elle est moins haute que la droite. Ouais. Serre. Encore. 2, 1. On est reparti. J'en veux 7. 6. Ouais. 1, 2, 3, 4. 5, 6, encore une, 7, allez, 3, 4, 5, 6, 7, lat spread, allez, on y va, on serre, ouais, bien, encore plus fort, serre même les triceps, serre tout, 5, 4, 3, 2, 1, reste. Allez, reste encore. Allez, tu tiens. Masse musculaire. Juste pour le fun. Et on relâche. Ok, oh. Parfait. Je vais essayer de zoomer sur son téléphone. Voir ce qu'il dit. J'essaie de zoomer sur ton téléphone pour voir ce que tu dis, mais on voit pas. Là, tu commences à avoir une tête un peu fatiguée quand même. Ouais. Parce qu'il faut un burger. Ah. Il faut des frites. Il faudrait que je sois millionnaire, mais je suis pas encore. C'est comme pour ton burger. Tu l'auras peut-être dans quelques temps. Bon. On en est pas loin. 24 militaires. On a fait de la rétropulsion par d'épaule, on a fait du latéral. Il manque plus qu'un petit mouvement d'avant d'épaule. DOP militaire, pas lourd, tension. Il faut des grosses épaules. Ouais. Va bien. C'est bien. Nickel. Parfait. Ouais.
Oh, qui relâche. Parfait. On prend pas beaucoup de récupération, on va prendre moins de 10 minutes, je repars. Il arrive même plus à toucher son épaule, gros. On peut prendre l'appui. C'est de n'importe quoi. Serre juste un petit peu. 4 semaines. On a un peu moins de 5 semaines et quasiment 8 pour mettre. Si vous voulez voir des choses en particulier, envoyez des petits messages à Jojo. Abusé. Papa. D'où Jésus. C'est lent.